Allez, j'arrive. C'est reparti. Capture indirecte, très bien. Et coucou Pierre. Et bonsoir Bachovic. Incoming. Sélectionne des... Céliana. Oui. Je ressors l'arc. Mon stuff est éclaté au sol. Mais ça avait manqué de jouer à l'arc par contre. Il y a un côté vraiment safe à l'arc. Hein. J'ai sûrement moins de DPS hein, qu'au katana. Mais il y a un côté vraiment vraiment safe. Hein. Quel plaisir. Salut CJ2, salut salut tout le monde. Fun fact, à l'époque de notre pari, c'était là la triomphe, on peut parier sur Fatalis. J'ai rien compris. À l'époque de notre. Qu'on avait... Tu parles de quoi? Parce que quand on avait parié, c'était pas du tout sur la triomphe, Fatalis ou quoi que ce soit. C'était sur le nerf gigantel face suprême. Notre pari à 1500 euros. Ouais, nous qu'on fait les paris, on rigole pas. Hein. C'était. Ah oui, c'est vrai. C'était le nerf gigantel face suprême que j'avais try d'ailleurs, que j'avais mis un peu plus de 1000 life. Et que j'étais pas mort, j'avais. Je crois que c'était le temps qui s'était juste écoulé. Hein. J'avais fait les 45 minutes et hélas, ce que je ne savais pas, et ce que forcément vous étiez bien gardé de me dire, hein, c'était le but du pari aussi, c'était qu'il se plus le combat dure contre le nerf gigantel alpha suprême, plus il est fort. Plus il est rapide et plus il est fort. C'était sympa. Cool. Salut Cisa. Ah oui, c'était. Bah il a fini par m'éclater. Mais je sais que je me suis battu les 45 minutes. Comme pas possible. Non, Iceborne était... Iceborne allait sortir, je crois. C'était pendant l'été qui précédait Iceborne. Été 2019, si je ne dis pas de bêtises, Pierre. Bah, on peut... Pareil, si tu veux. Premier serveur New World est en train de se faire assiéger. J'en connais qui vont avoir du boulot. Hein. Quelle surprise. Vraiment, on s'attendait pas. Hein. Ma surprise est... Ma surprise est totale, hein. Ah ouais, puis alors quand je vois la gueule des... C'est ça, ils ont tous les droits, ok. Même les mecs avec un super, ça me détruit. C'est bien ça, donc ouais, ça c'était bon. Yes. Donc ouais, je pense que je serais le seul streamer si j'étais sur New World, là genre à 100, 200 personnes, voire plus, hein. On s'en va. Plus de 2000 joueurs en queue pour l'instant, on va bien rigoler. 8000 joueurs en queue! Oh putain, good luck, hein. Good loco. Salut Corben! Bon, bah ça va pas mal, écoute. Hein. Logiquement, pour le Safi, t'as une liste d'objectifs à remplir pour que son énergie descende plus vite. Yep. Bah, c'était d'ailleurs, je les ai pas regardés. Oui, c'était les tracks. Tiens, fallait. C'est pas notre première, je sais pas si t'étais là, on en a déjà tombé deux pour l'instant, les Safi. J'étais au Catalan, moi, initialement. Là, je suis passé à l'arc, j'avais vraiment envie de changer parce que là, on a fait un peu le Balazac. On a fait justement, tu peux le vérifier, une game. Ah! Ah! Oh! Je sais pas comment. C'est le skin Roi Démon pour le coup qui est effectivement très stylé de l'événement. Non, je l'ai pas là-dedans. J'ai que ça. C'est pas grave. Allez, on a un Safi à tuer. File-moi des capsules, toi. Ok, c'est parti. Sérieusement. Et... Ça marche, je regarderai après, Pierre. Et Izin disait en fait que le Père Dragon était une perte de DPS. C'est peut-être vrai, hein, j'en sais rien, mais je vois ça triste en vrai, c'est le cas. Tellement stylé comme attaque. Je sais que le Père Dragon, pour avoir le full combo, si j'ai pas de conneries, merde, il faut le sortir. De mémoire, c'était 3 attaques. Tiens. C'est bon. 3 attaques, tu veux la vraie réponse ou la réponse diplomatique? Je veux la réponse objective, dans le sens au-delà de... Putain. Pour l'instant, je me fais souiller la gueule. La réponse objective en mode... par exemple, tu vois, s'il y avait un cycle, le Père Dragon, ça sert à rien objectif. D'accord. Ça roule. Alors,
dans le sens où il est vraiment en dessous, donc quand tu le sers, je suppose que c'est qu'il est en dessous côté DPS, ça pas de soucis, ça empêchera pas d'utiliser un pouvoir. C'est que vaut mieux enchaîner en fait avec les combos et les esquives et le tir de barrage. Oh là là, je me fais éclater. Ouais, pareil, là j'ai. Ouh! Salut Dot! Oublie pas la potion de pierre, je sais pas si tu l'as mise. Je l'ai déjà prise, yes, yes, yes. Ah putain, il me casse les couilles là! Oh! Oh Jean-Mimi! En gros, un peu comme ça, Pierre, globalement. Ouais, je vois l'idée. Ok, ok, c'est bien ce que j'avais compris. Mais, toi, là, là, moi, je refuse de pas faire perdre un dragon. C'est hors de question, là, toi. C'est tellement fun. Bien ah bah, oui. Dans la longueur comme ça. Et je crois qu'il est en full charge par contre. Il sert. Merde, là je me suis foiré par exemple. Qu'il soit bon ou pas bon, je crois qu'il est en full charge hein, pour le faire le meilleur perdre possible. Là il est blindé. Il me semble que c'est 3 attaques, tir de barrage, into perdre dragon. Il dit pas trop de conneries. Hein. Tu atteins la limite de la portée critique. Oui, mais t'atteins aussi la limite des dégâts. Enfin, tu atteins aussi le max de dégâts comme il est gigalon. Hein. Ça, on est d'accord. Merde. Pourquoi non? Ah, dis-moi tout. Paralysie. Ouais, ouais, bien joué. Ça, j'ai vu effectivement. Oui, les derniers tirent beaucoup moins fort. Il se barre ? Il fait quoi ? Ouais. Ok. Tu vois des... Oui, ça on est tout à fait d'accord. Mais avant des deux, je vois aussi une dizaine de 30, quoi. Ce qui est pas si mal, sachant que mon surf n'est absolument pas utile. Hein. Je suis en Velcana parce que c'était le rageant qui servait vraiment, vraiment à rien. Et bon, enfin, rien de petit, tu vois, dans mon build. Mais je vois l'histoire là-dedans, ça. Je peux comprendre hein, l'intérêt. Mais c'est là où, tu vois, j'ai envie de trouver un mélange entre ce qui est efficace, parce que j'ai pas non plus envie de servir à rien, et le plaisir personnel aussi de jeu. Par contre, le mini-dragon, lui, est rentable. C'est ce que me disait le chat. Ah putain, j'avais le dodge et tout. Je vais peut-être mourir. Non. Oh, le caillou, merci. Oh, le caillou. Bof à ce moment-là. Moi, je me suis mis devant en pensant que j'allais tanker pour toi. Oh, c'est choupi. Le tanking sur MH, je l'imagine. C'est très très... C'est mignon. Ah, je tenterai pas sur New World, mais... Je serai là pour ça. Oui, c'est une question de DPS, c'est bon. C'est là où... après, on sera peut-être pas d'accord, mais c'est là où tout se résume pas pour moi au DPS. Hein. J'en d'huile. Je suis mort. Oh, je ne suis pas mort, mon dieu, je crois que... Mais j'ai mis un... Salut, Arsenic. Ne restez pas proche de moi. Ok. C'est moi qui veux. Il crache.
Après, ça reste incroyablement fun à jouer. Toi, ça qui est bien avec ce jeu, hein, c'est que même là, en... là, je suis dans un gameplay tellement différent de du katana. C'est... Et pourtant, le fun reste là, quoi qu'il arrive. Hein. Petite attaque sautée, là. Ah, quelqu'un qui est dessus. Bien joué. Je suis deck. Est-ce qu'il y a une notion de stagger derrière avec le nombre de tics et ce peu importe les dégâts, Pierre ? Je me posais la question tout à l'heure. Parce que j'ai l'impression que quand il prenait vraiment beaucoup de tics de dégâts en un court laps de temps, il avait ce stagger qui arrivait. Hein. Ou c'était juste un hasard vis-à-vis peut-être d'autres dégâts que les copains auraient fait au même moment. Et qu'il n'y a pas une notion de tics et c'est que les dégâts qui comptent. Hein. Au revoir. Bah, globalement, il y a une grosse différence entre le stagger et la poise des Souls ou pas ? Oula. Ah. Capsule si vous avez. J'ai pas équipé. C'est bon. Oh, bien joué. En full life, je le tente normalement. J'aime bien voir les gars qui s'appellent ce bordel. Non, j'ai pas de... j'ai pas de... Ah, marrant ça, elles sont là. Bingo. Ok, alors, des équipes, les aveuglantes. Elles sont, putain. Là. Non. Je vais les équiper, justement. Voilà. Ok, prochaine fois qu'ils se cassent la gueule. On n'est pas mort, personne n'est mort. Vous allez bien. Tout va bien. Voilà. Tout va bien. J'ai plus rien en ce moment là. On va aller me chercher, j'espère que. Mais saloperie là. Merci. Bah encore oui, non, sinon, non, c'est juste qu'il me veut. Ah bah la passion, hein. Par contre, toi, je trouve l'esquive vraiment tellement plus naturelle à utiliser que le... Après, c'est peut-être parce que je suis plus habitué à l'arc, je sais pas, que celle du katana. Que j'ai enfin d'ailleurs compris, hein, je crois que t'étais pas là hier, Pierre. J'en ai fait pas mal d'esquives au katana hier. Je l'ai compris contre quel mode déjà, contre un mode nul, quand on était dans le fief. J'ai enfin compris comment ça marchait. Ce qui me manquait, le fait de faire un... C'est l'esquive suivi d'un R2 derrière pour monter la barre. Une fois que j'ai compris ça, bah, j'ai réussi à en caler beaucoup plus. Je crois que t'es content de jamais être tonnerre. Ah, il faut quand même pas bien à certains temps, c'est pas un burst. Ah, d'accord. Bon, merde. Oh. Bah, je vais peut-être connaître un décès... Le saut. Let's go. Tout est sous contrôle. Tout va très bien, cher viewer. Tout est parfaitement sous contrôle. Bien sûr. Tout va bien. Salut, Profonda. Salut. Aïe. Putain, il m'a vraiment consommé la cape en un coup de queue, sérieusement. Ça rend pas du rêve la cape, hein. Tu devrais target les ailes, tu ferais un peu plus mal. Que les parties baissées, attends, ça va. Bah non, pour le coup, regarde. Attends, ça dépend. Ah, attends. Non, Pierre, regarde.
pas l'impression, hein. Je pense que les pattes là qui sont bien blessées, c'est là où je me le ferai le plus cher. Ah, merde. On balance le heal zone, si vous en avez. J'en ai. Ok. Oula, il est énervé. Oula, il est énervé. Je vous lis après. J'ai mal compris, Pierre, ou Attends, je vais bien essayer. Oh, ok. Il va. Ah non, il part pas du tout. Oh mon dieu, je suis encore pas belle web. Oh putain de merde. Oulala. C'est bon. Bah, alors en théorie, oui, j'ai vu du orange. Mais pas toujours. Tu sais, j'ai fait un 20 tout à l'heure, ce qui est très bien pour une flèche. Allez, j'en essaye. Putain. Ah, il arrête pas de bouger, ce bâtard. Que là tu vois sur les pattes elles sont blessées donc je fais des. Je sais plus sur quelle patte il y en a une qui est blessée, on fait des jolis dégâts. Voilà. Il se barre, il fait quoi là? Peut-être que je suis trop loin, attends, j'essaie de me rapprocher. Ah c'est que j'étais trop loin je crois. Ah non. Attends, c'est pas les ailes. Il y a une zone là où je tape en orange, mais j'arrive pas à voir c'est quoi exactement. J'ai l'impression que c'est sur le dos. Ou c'est son torche, je sais pas. Oh oh. Alors, je lâche juste une info pour New World. Ils viennent de lock le premier serveur ouvert. Ma serveur s'est ouvert en plus. Donc, c'est un point de vue latent, pas aussi. Elle a l'air d'être mis en place. Regarde sur New World, sur ça marche. Donc, ils ont déjà créé un autre serveur. Ok. Une heure après, et dans 5 minutes, il y a le deuxième serveur qui doit ouvrir officiel. Merde, pas eu tout ce que je voulais faire. C'est bien ça, Nom, c'est un serveur en plus des 4 que j'ai prévu. Hein. Ah, le putain. Non, non, ça me dérange pas, hein, t'inquiète. Hein. Je veux dire, on fera un vrai brief hein, sur New World vendredi soir. Mais, il y a quand même des viewers, toi comme toi, voilà, je te connais un petit peu. Je sais que vous êtes pas là pour me casser les couilles avec ça et vous informer. J'ai jamais rien fait. Les informations du moment qu'elles sont valables. Il se barre, je pense. Toujours pas. Et... Ah non. Attends, mais c'est quoi je pense que la prochaine run on le tue du coup. Il y a moyen, ouais. Ouais, faudrait vraiment que j'arrive à en mettre un d'ailleurs. Le mini-dragon. Oh, ah, voilà, parfait. Ça monte. Let's go. Vas-y, je vais pouvoir le montrer au mi-dragon dans sa tête, le chat. Allez, il va passer ce coup-ci. Ok. Allez, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, barrage, on dégaine. Oui. Ah oui. Ah oui, ça fait mal. Ouais, j'ai vu le nombre de... Ah, ça fait... Ah, c'est décidé. Ah, j'ai enfin réussi à le placer. Ok. J'ai l'impression que c'est pas une question de dessin, peut-être une question de niveau de charge. Pour qu'il parte, même syndiqué, il faut quand même avoir certains niveaux de charge. Voilà, j'ai pu faire le mini-dragon qui a le chat, ça me fait plaisir. Ah, Viangui, bon alors. Ah bah quand tu prends 4 coups, t'es à terre, tu peux pas te relever. Non mais voilà, toi tu fais partie des jambons, pas des saucissons, donc t'es censé survivre, plus des merdes. Ouais, compliqué. Vas-y le jambon là, tu veux pas mourir. Tu sais ton karma. Et bonjour Liben, je crois que je t'ai dit bonjour. Bonjour à toi. Bah écoute, pas mal du tout, ouais. Le garage... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Le garage a été une très très belle surprise, j'ai hâte de vous montrer les photos. Il va, ou il attaque. Il attaque, ok. Oh là. Oh là là. Tout va bien. Il y a même un deuxième serveur qui vient de pop en plus, moi que ça se passe presque bien. Ok, donc ils vont en fait bien, bel et bien mettre ce que je vous avais expliqué, donc ce que j'avais traduit hein, dans la vidéo, avec DKX file d'attente, des nouveaux serveurs en fait automatiques qui pop. Ok. Ok, donc maintenant je comprends Pierre en fait l'intérêt des fioles de combat. Parce que si tu le joues en mode danse, elles ont du sens quoi dans ce cas-là. Il refait déjà là.
Apparemment. Apparemment. Tu peux utiliser en fait les fioles de combat en mode shotgun si tu la joues sinon presque comme une arme de casque quoi. Comme ça tu profites bien de la portée effective. Merde. Ah oui, je vois le start tant là. Ok, je les vois. Pierre, non, carte de guide, hein, c'est pour ça. C'est une accélérée. Oh là. Non. Non. Sale bête. Eh bah merde. Je suis mort, fais gaffe. On a plus, on a plus droit de mourir. Après, il reste plus beaucoup de temps. On a quand même plus droit de mourir. Faut faire gaffe. Oui. Mais eux, il doit rester nous 2 minutes, un truc comme ça. Je reviens quand même avec de la bouffe. Un counter, ça fait très mal à courte portée. Ça peut être pas mal, effectivement. Il est en train de faire un truc un peu vénère. Tu lui cales ton mille dragons. Ouais, ça peut être sympa, effectivement. Ouais, en gros, quand t'as les capsules, je pense que c'est quand même un truc qui peut être... Ah bah, il change de salle. C'est ça? Ah non. Non. Mais là, on n'est pas tout en bas, là, si. Non, on est au deuxième. On est au deuxième, hein, c'est ça. Oui, clairement, à l'arc, être focus, c'est pas ouf. Hein. Attends, c'était quoi qui t'est blessé? Allez, papate. Là, les papates, on s'est déjoué, les gars, ok. Salut, Zelios. Si tu danses bien, c'est au contraire mieux. Oui, parce qu'en gros, il reste sur toi, puis t'enchaînes, tu fais droite, gauche, avec des dodges. Oui, mais ça, c'était bon, ça. Je suis pas bon, moi. Je vois l'idée, hein. Oui, c'est ça, tu esquives, tu tapes, et t'es constamment, en fait, sur sa tête. Je vois l'idée. C'est un peu... t'as ça aussi, bah, pour le coup, dans New World, quand tu tankes avec un stuff léger, c'est pas mal, en fait. Parce que tu dodges, tu tapes. Presque mieux que tu consommes moins d'endurance, en fait. Salut, Damien. Ah bah, voilà. Bon, bah. Salut, Crocor, bonsoir à tout le monde. Je vois l'idée. Ah, ça y est, j'ai reçu les photos, le chat. J'ai reçu les photos du garage, je vais pouvoir vous montrer ça. Ils me les ont envoyées là, je vous montrerai ça après. Parce que là, on a été visiter un truc. Donc là, ça serait pas du tout pour du lucratif, quoi que ce soit. Hein. C'est pour du pur kiff personnel. Aïe, 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 stylé. Hein. C'est une ancienne tannerie. Ils faisaient du cuir qui date du fin 19e. Et qui est un peu beaucoup stylé. Alors attendez, problème du marteau sur ce genre de combat, viser la tête c'est compliqué. Ah oui là, oui, oui. Oui c'est sûr là, c'est... Après en même temps tu cherches. Bonjour Ashragor, bonjour à tous les arrivants qui rentrent du taf, et 11 à 18h, c'est le deuxième pic de la journée généralement. Quand je stream le matin, de toute façon je vois des gens arriver à midi, et généralement quand vous rentrez du taf. Donc coucou aux arrivants. C'est vrai que là, le pont est fini. Non, RS, ça c'est quoi? Accepter carte de guide. Bon, j'accepte, y'a pas de problème, je sais pas ce que c'est, mais j'accepte. Avant les tomes, mais non, maximum d'effort. Ça allait, chez Boost. On fait du Safi J20 si vous voulez venir. Je pense que tu fais bien de rester sur MH. Le chat sur les streamers AD est horrible. Ah bah ça! Si tu pensais que ça allait être des gens intelligents là-dessus, voilà. 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 Ah oui, c'est bon. On nous a bloqué Twitch et Netflix au taf. Ah! Ah, dommage. Amélioré. Rip ça. Alors attends, il est où mon arc? Il est là. Je crois que j'ai eu. J'avais pas eu. Attendez, il me semblait. Voilà, tac. Amélioré. Donc, voyons voir à quoi ça ressemble. Ajouter. Ah oui, fiole d'affliction. Oh. Et alors, comment je fais? Non, je peux faire que ajouter. Faudrait que j'ai un truc qui s'appelle remplacer. Remplacer, on est d'accord. Hein. Attaque. Non. Tu choisis. Non, je regarde. Où est-ce que tu le mets? Non, ça m'en ajoute un quoi qu'il arrive. Hein. Je te confirme, d'accord. Je pense qu'il faudrait que j'ai les 5 pour remplacer Esprit Brachilios ensuite. Oui, bah oui, tu pourras comme ça aussi. Fiole d'affliction, c'est n'importe quelle fiole ou c'est. Des fioles spéciales. Ah, c'est fiole de poison, d'accord, ça m'active le poison.
Oh, pas si mal, ouais. Après, là, ils vont te dire, c'est de la merde, les autres fioles. Moi, j'aimais bien les fioles explosives. Est-ce que Buffalo, t'es pareil, en mode fiole de force et le reste, on s'en bat les couilles? Parce que moi, pour le coup, les fioles explosives, je trouvais ça très, très fun à utiliser. Hein. Tu mettais quand même 3-4 explosions, ça faisait un beau boost de dégâts. Quand ça proquait pendant la perte dragon, c'était un kiff total. La poison, en vrai, ça peut faire un peu plus. Vas-y, en plus, attends, la 4. Vas-y, go. Je vais prendre ça direct. Boum. Voilà. Alors, alchimie, commissionnons, attaque. Ouh, affinité 3, c'est pas mal ça. Vas-y, go. Vendu. Ok. Ensuite, donc, le but, c'est... Ça dépend de ce que tu veux faire sur ton arc. Plein de choses. Ah ouais, en gros, tu peux faire genre un truc full élémentaire, c'est ça? Fiole de sommeil, ça peut être ton point à fight, permettre de barrer plusieurs fois par fight, c'est vrai. Ça veut dire corps. En gros, genre, tu veux faire un full élémentaire, ça peut être sympa, mais dans ce cas-là, ça sert à rien de prendre du crit. Faut mieux que je prenne genre des dégâts élémentaires, genre le truc. Pour moi, c'est un slot gâché. T'as déjà les fioles de force et combat. Bah, combat, on les a tous, quoi qu'il arrive, et force, ok. Ouais, non, je vois l'idée, t'inquiète. En mode petit de la mort. Ah, oh, bah, Lou, elle a pas encore posté, hein. Oh, bravo. Tiens, en parlant de ça, où est-ce qu'on en est là? Donc, niveau 2 atteint, niveau 3 atteint. Énergie absorbée, niveau 3, ça c'est pas encore bon. Il a pas encore atteint l'état super critique. Après, on a déjà débloqué tout ce qu'on pouvait débloquer en fait. Hein. Bon, ça s'affiche, j'ai l'impression. Tuer le Safi, j'y vais. Ok. Tiens, attends, je vais aller prendre quand même les fioles de poison. En gros. Ça se débloque quand tu le fais, d'accord. Ouais, jolie idée. On est d'accord que j'ai pas du tout de... Attendez. Ouais, non, j'en ai pas, merde. Est-ce que je peux quitter par contre la grande salle? Où ça va quitter? Non, tu peux pas quand t'es en attente de quête. Ok. Est-ce que j'aurais bien... Tu veux faire quoi? Allez, prendre des fioles de poison. Bon, c'est pas grave, au pire pour le prochain. Bah, quitte la quête et... Non, mais tu peux en acheter. Ah? Ah. Ici. Oh, bah non, bah c'est bon, merci. Il y a tout ici. Alors, on va le prendre directement dans le coffre. Je vais juste faire un restockage. Vas-y. Ouais, mais comme. Ouais, je pense que je vois ce que tu. En gros, c'est bien de faire un arc comme pour mon katana, tu vois. Si je base tout mon katana sur le crit et sur les dégâts purs, ça a du sens. Si je commence à partir sur l'élémentaire, autant prendre tous les trucs qui peuvent booster l'élémentaire, quoi. Que ça soit au petit, on s'en bat les couilles, mais. C'est dans l'idée de faire un truc qui est cohérent complètement. Quoi. Ok. Ça sera un viaduc plus un pont. Ah, oh, tu sais, écoute, hein. Faut en profiter. Hein.